That just sounds good. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, messieurs les membres des institutions républicaines, monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, chers amis venus du Maroc, de l'Inde, du Sénégal, etc. À vous, venus de loin, aux diplomates, je voudrais vous présenter mes excuses du comportement indélicat de ces gens qui ne représentent pas la jeunesse guinéenne. J'ai été étudiant avant vous, nous avons rendu l'Afrique fière de nous. Vous êtes comme des cabris, tablettes, comme des cabris. J'ai décidé, j'ai dit au ministre de l'enseignement supérieur, on suspend les tablettes jusqu'à ordre, nouvel ordre. C'est pas un droit, c'est une mesure. Donc, pour le moment, on ne mettra pas de tablettes à votre disposition. Ce n'est pas un droit. Même en France ou aux États-Unis, on n'a pas mis à l'échelle des étudiants des tablettes. On a mis des ordinateurs dans les écoles. C'est notre volonté. Mais vous êtes indigne de cela. Donc pour le moment, on suspend les tablettes jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc, l'Afrique n'a pas été au rendez-vous des trois premières révolutions industrielles. Nous avons subi un très grand retard. Aujourd'hui, il est important que l'Afrique soit au rendez-vous de la quatrième révolution industrielle. Comment pouvons-nous être au rendez-vous de la quatrième révolution industrielle sans maîtrisant le savoir? Le ministre a cité Lee Kuan, il est parti très loin à Singapour. Mais avant, le président Nkrumah a dit, l'Afrique doit maîtriser le savoir. Car pour que l'Afrique se libère, il faut qu'elle maîtrise le savoir. Donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Singapour. Le président Nkrumah, qui était un très grand visionnaire pour l'Afrique, avait déjà montré cela. Mais comment pouvons-nous être au rendez-vous de la quatrième révolution industrielle si nous ne créons pas les conditions de la maîtrise de nouvelles technologies? Cela commence par quoi? Par l'énergie. Sans électricité, on ne peut pas parler de maîtrise de nouvelles technologies. Car la maîtrise de l'électricité et de l'énergie est fondamental. C'est pourquoi toute notre bataille est de doter la Guinée et l'Afrique, car 7 Africains sur 10 n'a pas accès à l'électricité. Toute notre bataille de faire en sorte que l'Afrique maîtrise l'énergie et qu'avec l'électricité nous puissions transformer non seulement notre éducation mais nos pays. La deuxième, c'est maîtriser les nouvelles technologies. C'est pourquoi l'éducation est fondamental pour le développement et de la Guinée et de l'Afrique. Mais, nous allons dire la vérité, l'éducation en Guinée est malade. Les étudiants qui sortent, soi-disant maîtrisards, ne sont même pas capables de faire une page sans faire de faute, même pas une page. Là.
Ensuite, alors, notre enseignement est de former des jeunes au service de l'économie, forme des chômeurs. Voilà la réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis content que dans cette salle, à côté des enseignants, des étudiants, on retrouve des entreprises. Car l'enseignement dans un pays, l'éducation, doit être au service de l'économie. C'est-à-dire, on forme des cadres en fonction des besoins de notre économie ou de l'économie d'un pays. Quelle est l'économie de la Guinée aujourd'hui? Quelle est l'économie de la Guinée aujourd'hui? Vous savez, j'ai été étudiant avant vous. J'ai été syndicaliste étudiant. Donc, vous pouvez impressionner vos professeurs ou vos ministres. Moi, vous n'impressionnez pas, vous pouvez sauter, crier jusqu'à demain. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Hein? Alors, ceux qui crient montrent seulement qu'ils sont mal élevés, mal éduqués. C'est tout. Mais on va vous obliger à vous redresser. On va vous obliger à vous redresser. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de tablette distribuée ni mis à votre disposition. Et vous saurez que c'est moi qui ai décidé de mettre ça à votre disposition. Ce n'est pas un droit. Alors, c'est moi qui l'ai décidé et je bloque jusqu'à ce que vous deveniez responsable devant vos autres camarades. Je veux que les étudiants donnent une image de la Guinée, dont la Guinée peut être fière. Pas que nos amis viennent de loin. Vous avez entendu votre président de comment elle a parlé. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'Afrique. Vous ne connaissez rien de l'Afrique. Hein? Rien.
We'll be right back.